Justice, le tribunal judiciaire de Rennes condamne l'humoriste controversé Dieudonné à une amende de 8000 euros pour recel d'escroquerie. Le procureur de la République avait requis 8 mois de prison ferme. Dieudonné Mbala Mbala était poursuivi pour avoir loué un château à Pirée-Chancé près de Rennes pour un spectacle, mais sans jamais dire qui il était. Depuis les débuts des années 2000, l'acteur Dieudonné Mbala Mbala a fait l'objet de plusieurs condamnations après des poursuites, notamment pour injures publiques à caractère antisémite, contestation de crimes contre l'humanité. Dieudonné avait comparu lundi 8 janvier avec la gérante de sa société de production qui avait réglé les formalités de réservation. Elle écope d'une amende de 2000 euros pour escroquerie. Les deux condamnés également déclarés inéligibles, lui pendant 2 ans, elle pendant 1 an, ont 10 jours pour faire appel.